Bienvenue dans cette rubrique blues. Rubrique blues un petit peu en forme d'exercice en fait cette fois-ci, parce que le principe c'est de. On part d'un enchaînement d'accords assez simple, trois accords, inspirés d'un morceau de Tony Joe White, qui a fait un magnifique album acoustique il y a déjà quelques années. Et donc l'enchaînement d'accords c'est un Ré avec une septième et une neuvième, mi-septième. La majeure. Donc on a une mesure de Ré, 1, 2, 3, 4, une mesure de Mi, 1, 2, 3, 4, et deux mesures de La, 1, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Et sur ces accords, on va placer des phrases de chorus. Alors, l'avantage des accords de Ré, de Mi et de La, c'est qu'on a les basses toutes faites à la guitare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je peux faire tourner la basse avec les cordes à vide, ce qui me laisse les doigts libres pour jouer autre chose. Donc, c'est ce qu'on va faire. Des phrases solo. Dans l'original d'ailleurs, c'est une guitare qui joue uniquement ça. Ce genre de phrase là. Sans jouer la basse, nous comme on est tout seul, on va rajouter de temps en temps la basse qu'il faut. Mi. La. Et donc on va enchaîner les phrases comme ça. Donc là, c'est intéressant de jouer la basse parce que cette phrase-là, en fait, on pourrait la caser ailleurs. On peut la caser deux fois, en fait, si on veut. Une fois pour arriver sur l'accord de Ré. Et on peut la caser, en fait, si on veut, pour repasser du Mi au La. Parce que on arrive au Do, donc ça fait la tierce de La ou la septième de Ré. En enchaînant les deux, ça donne ça. Toutes ces phrases, donc, essayez de recaser les basses là où vous pouvez. Toujours garder cet enchaînement en tête. Ré. Mi. La. Quelles que soient les phrases, même très simples, même si c'est une note ici et là, essayez de. D'ailleurs, c'est un bon exercice de. De faire quelque chose de très très simple. Des phrases même très 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 basiques, mais pour essayer de caser la bonne grille rythmique là-dessus.
Donc voilà, entraînez-vous, utilisez les gammes de la mineur pentatonique. Les phrases que vous voulez, simplement essayez de garder donc l'harmonie, c'est le principe de ces exercices. Et n'oubliez pas d'aller écouter Tony Joe White aussi, qui est un des grands du blues. Voilà, bon travail et à la prochaine fois. Salut à tous.